Cette action de la Fondation Claudine Talon est le fruit d'un partenariat entre l'Organisation internationale cohésienne Tiret ID. Elle s'inscrit dans le cadre du programme d'approvisionnement en eau potable de 200 écoles à cantine au Bénin. Pour ce programme, dans la commune d'Alada, outre l'école primaire publique d'Adimalé, 7 autres écoles bénéficient les mêmes infrastructures, ceci au grand bonheur des autorités communales. L'événement qui nous réunit cet après-midi à l'EPP d'Adimalé, dans l'arrondissement de Sékou, est d'une importance capitale pour nos communautés. Depuis plusieurs décennies, les populations de ces localités souffrent dans la douleur récurrente du problème d'accès à l'eau potable, source de vie. La santé de nos populations en général et celle du monde scolaire en particulier est à la limite compromise en raison de la mauvaise qualité de l'eau de boisson consommée. Ce problème, loin d'être particulier à ces seules localités, est commun à plusieurs autres dans la commune d'Alada. Cette absence d'eau affecte également le fonctionnement des cantines scolaires installées par le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, dont l'initiative constitue un véritable soulagement pour nos enfants. D'un montant d'environ 100 millions de francs CFA, ces ouvrages réalisés dans 8 écoles de la commune d'Alada pour régler le véritable problème de manque d'eau potable dans ces différents villages, et les autorités expriment toute leur gratitude à l'endroit de la Fondation Claudine Talon. C'est une fondation très sérieuse et moi je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la première dame qui a pensé à un projet du genre pour accompagner le projet de cantine dans toutes les écoles de notre pays. Puisque le vrai problème, il y a la cantine, mais il faut de l'eau pour préparer. Et parfois, à cause de l'eau, les enfants n'arrivent pas à manger à temps. Mes impressions sont très bonnes. Je remercie très sincèrement la Fondation et Claudine Talon pour ses œuvres sociales. Et mon arrondissement, particulièrement deux villages, en ont bénéficié. Donc c'est à mon actif également. L'ambition du maire Michel Aclientor est de voir la commune d'Alada inscrire son nom dans le rang des grandes communes du Bénin. Profitant de l'opportunité, il formule d'autres doléances à l'endroit de la fondation pour le bien-être de la population d'Alada. Puisqu'il est rare d'avoir de pareilles occasions, j'aimerais saisir celle-ci pour vous soumettre certaines de nos préoccupations, à savoir l'élargissement du projet aux autres écoles à cantine non prises en compte par la première phase. L'installation de lampadaires solaires au niveau des postes d'eau autonomes afin d'assurer l'éclairage et la sécurité des installations. L'installation de panneaux solaires sur nos principales places publiques pour améliorer l'épanouissement de notre jeunesse. Coupure de rideaux, remise des clés et visite des installations ont été les moments forts de cette inauguration.